Hello, our viewer. We thank you for watching us again. Today we still have our usual brother, E.E. Yes. And we have our beautiful sister. Yes. Sister Christelle, she's going to interpret in French. Mm-hmm. Our message of today, I wanted to ask brother E.E., what is brotherhood mm-hmm. of the cross and star? Amen. Really, let's start with what is brotherhood? Yes. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. In the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Now and forevermore. Amen. We're going to take today's lesson directly from the everlasting gospel that defines brotherhood. From the horse's mouth directly. So that you will hear direct from the Father what brotherhood is. In summation, he says that brotherhood means God Almighty, our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, all the angels in heaven, all human beings, all creation summed up together makes brotherhood. Nous allons vous expliquer qu'est-ce que c'est que la fraternité. Alors la fraternité, c'est Dieu et toute sa création, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, toutes les anges, les esprits, toutes les créations, toute la création de Dieu constitue la fraternité, les frères. So our first Bible lesson today will be taken from John chapter 20, verse 17. Alors notre première leçon biblique sera tirée de Jean chapitre 20, verset 17. Mm-hmm. Jesus said unto her, touch me not. For I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, unto my God and your God. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. And our second Bible lesson today will be taken from Ephesians chapter 4, verses 4 to 6. There is one body and one spirit. Notre deuxième leçon biblique sera tirée de Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 6. There is one body and one spirit. Il y a un seul corps et un seul esprit. Even as ye are called in one hope of your calling. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. One Lord, one faith. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. One baptism, one God. Un seul baptême, un seul Dieu. And the Father of all. Et Père de tous. Who is above all. Qui est au-dessus de tous. And through all and in you all. Et parmi tous et en tous. Our golden text today, 1 Peter chapter 2, verse 17. Notre texte d'or est tiré de 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Honor all men, love the brotherhood. Honorez tout le monde, aimez les frères. Fear God, honor the king. Craignez Dieu, honorez le roi. So, dear brethren, we want to reveal an important thing to you today. Alors, chers frères et sœurs, nous voulons vous révéler quelque chose de très important
aujourd'hui. These three lessons will give you an idea of what the Father is going to reveal. So please be attentive. Alors, les trois textes bibliques qui vous ont été lus vont vous permettre de comprendre ce que le Père veut vous révéler aujourd'hui. You may say that you know what brotherhood means, but we know from our hearts that no one knows what brotherhood means. Vous pouvez prétendre que vous savez ce que signifie la fraternité, ce que on entend par frère, mais personne en vérité ne le sait. People have given it many meanings. Les gens ont donné beaucoup d'interprétations à ce terme. It is as a result of these misconceptions that the Father has decided to take this opportunity to preach this gospel. Et à cause de toutes ces interprétations, le Père a décidé de donner cette explication. Therefore, today shall go down in history as a great day, a day of revelation, as a day that brotherhood has been revealed to the whole world. Alors aujourd'hui va marquer l'histoire parce que aujourd'hui sera retenu comme le jour où la fraternité a été révélée au monde. Professors, historians, and many others from different universities have from time to time been coming to inquire about the origin of brotherhood. Alors beaucoup des historiens, des savants ont essayé de s'enquérir et de savoir ce que c'est que la fraternité. We have in each situation laughed at them at the limitation of their wisdom, and we have asked them to go back home and love one another. Et à tous ces professeurs et savants qui sont venus s'enquérir de la signification de la fraternité, de la fraternité, nous leur avons dit à chaque fois aller et aimer. If anyone on the surface of this earth tells you that he knows the foundation of brotherhood, such a person is a liar. Alors si quelqu'un vous dit qu'il connaît la source de la fraternité, sachez que cette personne est un menteur. In this gospel, we are not including the words cross and star, but brotherhood only. Alors, dans cette session, nous n'allons pas inclure la croix, le concept de croix, ni le concept de l'étoile, simplement le concept de fraternité. Say to yourself, you who say that you are brotherhood, whether you are really brotherhood. Alors, faites une introspection et demandez-vous, vous qui prétendez être de la fraternité, alors, êtes-vous vraiment de la fraternité? Say to yourself, you who say that you are not brotherhood, whether you are not brotherhood. Faites également une introspection à vous qui prétendez ne pas être de la fraternité. N'êtes-vous pas vraiment de la fraternité? What is the meaning of brotherhood? Alors, quelle est la signification de la fraternité? It means God Almighty, Christ and the angels. Fraternité, frère, signifie Dieu. It means Christ, toutes ses créations. It means the people of this world. Ça signifie les gens de ce monde. It means the fishes in the water. Ça signifie les poissons dans l'eau. The trees in the forest. Les arbres de la forêt. It means the grasses that grow in the fields. Ça signifie les plantes, les herbes qui poussent dans la prairie. It means the ground on which we walk. Ça signifie également le sol sur lequel nous marchons. It means the sky, the wind, the moon, the sun, the stars. Ça signifie les étoiles, la lune, le soleil, les astres. It means the worms, the ants, the birds. Ça signifie les vers, les fourmis, les oiseaux. Brotherhood means every four-footed animal and every creeping thing. La fraternité signifie tous les animaux à quatre pattes. Ça signifie tous les reptiles. Ça signifie toute la création de Dieu. In short, brotherhood means oneness. D'une manière plus simple, la fraternité signifie
l'unité, l'union. God Almighty and everything created by him put together are brotherhood. La fraternité signifie Dieu et toute sa création mise ensemble constitue les frères. Who owns brotherhood? It is God who owns it. Alors qui est le propriétaire qui détient la fraternité? C'est Dieu. God owns brotherhood, he rules and he leads brotherhood. Dieu détient la fraternité, il règne, il dirige la fraternité, il possède la fraternité. But Christ takes charge. Mais le Christ, mais Christ est en charge, Christ gère. What are the duties of angels? Alors, quels sont les devoirs des anges? They are servants in brotherhood. Les anges sont des serviteurs de la fraternité. What are the duties of spirits? Et quels sont les devoirs des esprits? They are workers in brotherhood. Ce sont des ouvriers de la fraternité. What are the duties of human beings? Les devoirs des êtres humains. They too are workers in brotherhood. Eux aussi sont des ouvriers de la fraternité. The stars, the moon, the fishes, the animals, the birds of the air, etc. All are workers in brotherhood. Alors les animaux, les étoiles, les poissons, les oiseaux et toutes les créatures de Dieu sont tous des ouvriers de la fraternité. Brotherhood means the word of God. Alors la fraternité signifie la parole de Dieu. Brotherhood does not mean two things. La fraternité ne signifie pas deux choses. It means oneness. Ça signifie l'unité. It is the word. C'est la parole. It is the truth. C'est la vérité. What is the word? Alors qu'est-ce que la parole? It is God. C'est Dieu. It is Christ. C'est Christ. It is human beings. C'est les êtres humains. It is everything in the world. C'est tout ce que vous voyez dans le monde. Brotherhood is the words of God. La fraternité, c'est la parole de Dieu. Why is it that the people of this world do not know what brotherhood means? Alors comment se fait-il que les gens de ce monde ignorent ce que c'est la parole de Dieu? It is because it is not given to them to understand. C'est tout simplement parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre ce que c'est la parole. Brotherhood is not a society. La fraternité n'est pas une société, une communauté. It is not a cult. Ce n'est pas un culte. It is the spirit of love. C'est l'esprit d'amour. I am brotherhood, you are brotherhood. Je suis la fraternité, je suis membre de la fraternité, tu es membre de la fraternité, vous êtes de la fraternité. You do not need to say, I want to be brotherhood. Vous n'avez pas besoin de dire que je veux être fraternité, je veux être un frère. You are brotherhood whether you like it or not. Vous êtes un frère que vous le vouliez ou non. Everybody is brotherhood. Tout le monde est fraternité. To all of those who want to know its origin, we say brotherhood has no origin. Pour tous ceux qui veulent connaître l'origine de la fraternité, nous pouvons vous dire dès lors que il n'y a pas d'origine. It has no beginning, it has no end. La fraternité n'a pas de début, la fraternité n'a pas de fin. Except such a person wants to know the origin of God. À moins que cette personne veuille connaître l'origine de Dieu. Brotherhood was not founded by Christ, angels or men. La fraternité n'a pas été fondée par Christ, par les anges ou par les hommes. It was founded by God himself. La fraternité a été fondée par Dieu lui-même. God the founder is love. Dieu le fondateur est amour. Brotherhood means love. La fraternité signifie l'amour. It is truth. C'est la vérité. It is good manners. C'est les bonnes manières. It is mercy and patience. C'est à la patience et c'est la miséricorde. It is humility. C'est l'humilité. It is meekness and unity. C'est la gentillesse et l'unité. It is oneness. C'est l'union. It is one thought.
C'est une seule pensée. It is one mind and one spirit. C'est avoir une seule un seul cœur et un seul esprit. It is one faith and one hope. C'est avoir une seule foi et un seul espoir. There is no division in brotherhood. Il n'y a pas de division dans la fraternité. From the smallest village to the biggest one, all the countries in the world put together are brotherhood. Du plus petit des villages au plus grand des pays, tous constituent la fraternité. God, the creator of heaven and earth, created Adam and Eve. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a créé Adam et Ève. When he found out that everything was good and perfect. Quand il a estimé que tout était bien et tout était parfait. Adam and Eve were quartered in the Garden of Eden. Alors Adam et Ève ont été installés dans les ont été installés dans le jardin d'Eden comme leur quartier. In the garden, angels, animals, different kinds of fishes, birds, they had their abode. Alors dans le jardin d'Eden, les anges, les animaux, toutes les créatures de Dieu, les poissons, les oiseaux, tous avaient leur demeure dans le jardin d'Eden. And God made Adam the overseer of everything in the garden. Et Dieu a fait d'Adam le superviseur de toute cette From terre. The angels to the smallest animals. Depuis les anges jusqu'au plus petit animal. They were his messengers and his servants. Alors tous étaient ses messagers et ses servants. God told him to speak to him direct. For his ears were always open unto his call. Dieu lui a donné instruction de lui parler directement parce que ses oreilles étaient toutouïes et avait, il avait toute l'attention de Dieu. And finally, God told him, as for the fruit of the tree in the center of the garden, taste thou not. Et comme instruction finale, il lui a dit, l'arbre qui est au milieu du jardin n'y touche pas. Everything started to work according to God's plan. Alors tout marchait selon les plans de Dieu. Oneness, which is brotherhood, started to bear fruit even in the Garden of Eden. Alors l'unité, l'union existait déjà à cet instant entre toutes les créatures de Dieu dans le jardin d'Eden. Suddenly, something spectacular happened. I wonder what that was. Soudain, quelque chose s'est produit. Je me demande ce que c'est. Before you know it, Adam had tasted the forbidden fruit after Satan had deceived him into believing that it was a tree of wisdom. Adam a fini par désobéir à manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Parce que Satan a réussi à le faire croire, à le convaincre que c'était l'arbre de la sagesse. Tragedy struck because Adam had disobeyed God. Et là, la tragédie a frappé parce que Adam a désobéi à Dieu. Then confusion, division, chaos set in. Et dès cet instant, la confusion, le chaos s'est installé. And then came darkness, death, sufferings, want, and fear. Et là, la peur s'est installée, la destruction s'est installée parmi la créature, les créations de Dieu. The angels stood apart, and the animals grouped themselves together. Les anges se sont séparés, et les animaux sont partis aussi de leur côté. The fishes, the birds, they took to different directions. Les oiseaux, les poissons se sont tous séparés. The materials of war had been scattered. Et là, la création de Dieu a été complètement. And from then, sin began to reign. Et dès cet instant, le péché s'est installé et a régné. Destruction followed, and the angels refused to serve Adam. La destruction a suivi, et les anges ont refusé de servir Adam comme ils le faisaient au début. From then, animals and fishes, which were created by God to be friends of men, became food for men. Et les animaux et les poissons et les créatures de la mer
qui au départ avait comme mission de servir Adam, ont tous devenu la nourriture. This tragedy, the disobedience of Adam in the Garden of Eden, formed the first chapter of division in the history of brotherhood. Cette tragédie, la désobéissance de Adam dans le jardin d'Eden, constitue le premier chapitre de la division dans l'histoire de la fraternité. From that time till today, anybody who caused disunity and confusion in brotherhood, that person will find death staring him at the face. Alors, depuis ce temps, toute personne qui cause la désunion et la confusion dans la fraternité va faire face à la mort. From the beginning of the world, brotherhood has been and means unity and love. Et depuis le départ, la fraternité a toujours signifié l'unité, a toujours signifié l'amour. God does not reign in anything that is disunited. Dieu ne règne nulle part où il y a la désunion, où il y a la séparation. The same thing is applicable to Christ. La même chose s'applique à Christ. The angels and the spirits, they belong to God. Les anges et les esprits appartiennent tous à Dieu. Wherever God and Christ rule, you will find angels, spirits, and even yourself. Et partout où Dieu règne, vous y trouverez les anges, vous y trouverez les esprits, et vous y trouverez les êtres humains. The angels have no special form, not even in the spirit. Les anges n'ont pas une apparence particulière, même les esprits. Angels and spirits belong to God. Les anges et les esprits appartiennent à Dieu. The human beings belong to God. Les êtres humains appartiennent à Dieu. We are all one. Nous sommes tous un. Christ said, I and my Father are one. Christ a dit, moi et mon Père, nous sommes un. He shed his blood for us so that we may come together again. Il a versé son sang pour nous afin que nous puissions être unis une fois de plus. Just as we were before in the Garden of Eden. Tout comme nous étions auparavant dans le jardin d'Éden. The fact that we are scattered is because of the disobedience of Adam. Le fait que nous soyons séparés et éparpillés est venu de la désobéissance d'Adam. But that does not mean that we are still no longer brotherhood. Ça ne signifie pas pour autant que nous ne sommes plus God de fraternité. Nous ne sommes plus de la fraternité. Amen. God is still reigning over his people. Dieu continue de régner sur sa création. The shedding of the precious blood of Christ means the making of peace for all the scattered children of God. Alors, le fait que le sang de Christ a été versé constitue la réunion de toute la création de Dieu. This, amen. This peace clears the way for all to come together again in the same fold of brotherhood. Alors, cette nouvelle paix crée un nouveau passage, une nouvelle voie, pour une nouvelle opportunité pour toutes les créations de Dieu, pour toute la fraternité de revenir ensemble. When Christ had not yet shed his blood, he told the disciples to go only to the lost sheep of the house of Israel. Alors, avant que le sang de Christ soit versé, il a dit à ses disciples d'aller simplement aux brebis perdues d'Israël. He warned them not to go to Samaria. Et il leur a dit de ne pas aller à Samaria. But finally, after the shedding of the blood, he told them that there was another flock that was not there. Alors, après qu'il a versé son sang, il leur a dit, il y a une autre troupeau qui n'est pas encore inclus. He said, other sheep that I have that are not yet of this fold, them I must bring, and there shall be one flock under one shepherd. Alors il a dit que mon troupeau, j'ai encore un autre troupeau qui n'est pas encore ici.
il est important d'aller les prendre, d'aller retrouver ce troupeau et les ramener afin que tout mon troupeau soit uni en, sous le couvert d'un seul berger. He was referring to the episode in the Garden of Eden. Il se référait ici à l'épisode du jardin d'Éden. That caused the disunity among God's creatures. Qui a créé la désunion entre les créations, les créatures that, de Dieu. That tragedy which caused everyone to wander to the furthermost part of the earth. Cette tragédie qui a causé la dispersion de toutes les créatures de Dieu d'un coin à l'autre. He was referring to those who had taken to the different ways of life, which was at variance with God's own ways. Il se référait là aux créatures de Dieu qui ont décidé de suivre différentes autres voies qui n'ont rien à voir avec la voie initialement tracée par Dieu. This class of people thought that God had forsaken them. Parce que cette classe de personnes ont pensé que Dieu les avait abandonnés. But after his resurrection, Christ empowered his disciples to go to the Samaritans and to the uttermost part of the earth to preach the good tidings. Alors après sa résurrection, il a encouragé et donné le pouvoir à ses disciples et d'aller dans toutes les parties du monde et prêcher cette bonne nouvelle à tout le monde. This means that the world became one again. Cela signifie que le monde, une fois de plus, est redevenu un. And all of us are united by the precious blood that was shed on the cross. Et nous avons tous été réunis par le sang qui a été versé, le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. And if we may ask again, what is brotherhood? Et si nous devons encore poser la question, it is the children of God. La fraternité, ce sont les enfants de Dieu. What are the children of God? They are human beings. Et les enfants de Dieu, ce sont les êtres humains. Who is the Son of God? Alors, qui est enfant de Dieu? He is God himself. C'est Dieu lui-même. Everything is now one. Alors, tout est devenu un. One thought and one voice. Une pensée, une voix. This is what brotherhood means. C'est ça, la fraternité. A word is enough for the wise. Une parole est simple, est suffisante pour le sage. He that has ears to hear, let him hear. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Do you have another question? Well, this was really helpful. We spoke about brotherhood. Yes. And I'm so thankful to God that today we really did have a special privilege to have someone to interpret this in a different language, which is French. So you that is seeing us, share this video to your friends who speak French so they can also partake of this beautiful message. Yes. Mm-hmm. We shall be back. Stay tuned. Thank you.